Cette cinquième édition de l'artisanat a pour thème cette année l'artisanat, l'heure numérique, qui est une occasion pour mettre en lumière la mutation actuelle que connaît l'artisanat vers une digitalisation pour permettre le numérique de révolutionner ce noble métier qui est l'artisanat. Les différents outils numériques vont permettre aux artisans de mettre leurs différents produits en ligne en vue d'inventer de nouveaux modes de communication plus interactifs et immédiats pour attirer plus de clients. Devenu le nouveau moyen d'achat, d'interaction, les outils numériques sont toutes ces formes est un dispositif numérique considéré comme un outil qui permettra de donner une grande plateforme pour exposer leurs différents produits artisanaux et donner un choix plus large aux consommateurs en vue de contribuer au développement de l'artisanat. À son arrivée, le président de la République, M. Ismaël Marguélé, accompagné par la première dame présidente de l'Union nationale de la femme djiboutienne, Mme Khadra Mahmoud Haïd, a été accueillie chaleureusement par le ministre du Commerce et du Tourisme, Mohamed Oursama Derrié, et le directeur de l'Office du Tourisme, Ousmane Abdi Mohamed. Le président de la République, M. Ismaël Marguélé, aux côtés de la première dame, Mme Khadra Mahmoud Haïd, ont visité ensuite successivement les différents stands de coopératives d'artisans venus non seulement de la capitale, mais aussi de 5 régions de l'intérieur. Les différents produits artisanaux, comme les objets de décoration, des bijoux en perles, des sacs de cuir et des pots et autres. Cette exposition a été un moment fort où les artisans ont fièrement étalé leur savoir-faire au chef de l'État et la première dame pour présenter leurs produits de qualité handmade. Après la visite de différents stands, le chef de l'État et la première dame se sont dirigés dans la grande salle pour prendre part à la cérémonie. Shahatina.